Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi. Vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il est à nouveau. Je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence, qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Ta-ta-ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu. Félicitations à vous. Donc, au choix, vous avez gagné un soin ou une guidance. Donc, vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook. Voilà, comme vous le souhaitez. Et puis, on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, ce que vous avez envie aussi et besoin, tout simplement. Voilà, alors, cela étant dit, sachez que maintenant, il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc, à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois. Je vais essayer aussi de m'imposer, entre guillemets, cette petite discipline. Et puis, ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que, bon, c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez, pour certains, les épauler au mieux ou en tout cas pas vous prendre la tête, entre guillemets, pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. On va passer directement à vos guidances. Puis, de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc, voilà. Donc, je vous laisse maintenant. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté. Allez les béliers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Merci beaucoup pour votre patience, j'ai eu pas mal de problèmes techniques et depuis que j'ai déménagé, ça met au moins 6 heures pour se télécharger sur YouTube, c'est une horreur. Donc bon, bref, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, donc vous prenez seulement si ça vous parle et que ça vous vibre. Vous pouvez aller voir également les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous y retrouvez davantage, par exemple, dans votre ascendant, ou tout simplement pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas ces signes, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo dans le texte pour que vous puissiez les trouver. Et même chose, quand j'énonce des signes par rapport aux cartes, ça peut être lunaire, solaire ou ascendant. Donc, j'ai repris le tarot mythique en 4 cartes. Ici, nous aurons première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez également des messages avec une carte des saints et des anges, une autre des anges de l'amour de Dorine Virtu et un message d'éveil de Mario Duguet. Je vous rajouterai une carte des chakras par mois pour avoir une affirmation à travailler pour ceux qui le souhaiteront, bien évidemment. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Alors, pour votre première quinzaine de mai, vous avez le 5 d'épée. Alors, les épées, là, on est plutôt sur un plan mental, sur celui de l'esprit. Ça représente généralement des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et bon, si cette carte peut paraître un petit peu sombre, moi, je trouve qu'elle reste quand même lumineuse, malgré tout. On a des personnages devant, vous voyez, qui sont quasiment qu'en blanc. Bon, il y a juste le jaune, on va dire, d'Apollon qui est ici et qui, moi, me fait généralement souvent penser à une maman qui serait en train de donner les règles de la maison ou rappeler à l'ordre aussi son enfant.
Donc, à voir aussi où vous vous situez, si vous vous retrouvez plutôt ici ou là. Là, on est quand même sur quelqu'un qui serait beaucoup plus jeune. Hein. Ça serait lui davantage d'ailleurs qui serait un signe d'air. Et cette carte, elle représente, si vous voulez, l'acceptation des contraintes et des limites, des frontières aussi qu'il peut y avoir par rapport au monde extérieur, comme par rapport à nous intérieurement. Ça peut être pour certains un petit rappel à l'ordre, alors ça peut être sur différents domaines. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous donne tout simplement ses conditions, les règles à respecter, ses limites à lui. Comme il est jeune ici, si vous vous retrouvez là, on peut penser qu'il vient de démarrer quelque chose et tout simplement qu'on lui donne les règles du jeu hein, d'entrée. Maintenant, vous voyez, il a plusieurs épées, donc ça peut être différentes conditions, mais ça peut être également différents choix possibles, différentes manières, par exemple, de réagir à quelque chose. Après, avec cette carte, on vient demander quelque part de prendre ses responsabilités, un petit peu comme si un choix, je ne vais pas dire n'était pas meilleur que l'autre, mais n'était pas forcément beaucoup plus plaisant. En tout cas, il implique quelque chose de contraignant, qui vous demande de vous dépasser. Parce que là, avec cette carte, on vous demande de faire face à ce qui vous est proposé, sans vous plaindre ni fuir, pour pouvoir réellement avancer vers ce que vous souhaitez. Et pas en faisant les choses par crainte d'eux, mais parce que vous savez au fond de vous que c'est nécessaire pour la suite. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on confrontait à la réalité, en rappelant à certains de ne pas se créer des ambitions qui seraient hors de portée, sans quoi ils seraient contraints de ravaler leur fierté, voire de faire machine arrière. Hein ? Là, ici, il faut vraiment faire attention au piège de l'orgueil et de l'ego. Négatif, hein, j'entends. Donc, on vient vous demander ici d'être honnête avec vous-même, mais également avec le monde extérieur. Apollon, ici, vient vous montrer qu'il y a différentes possibilités et si vous voulez qu'en fonction de chacune d'elles, ça pourra donner tel ou tel résultat. Donc, à vous de voir maintenant ce que vous allez choisir. On va voir la suite justement pour y voir un peu plus clair. Et là, vous avez le 8 d'épée. Bon, on est toujours sur le même plan. Là, vous voyez, elle est aussi contrastée. Donc, on retrouve Orestre ici. Mais cette fois-ci, vous voyez, il est comme encerclé, un peu comme piégé par les épées qui représentent donc justement le plan mental face à des chimères, donc des choses qui n'existent pas mais qui représentent des peurs, des idées, des films qu'on pourrait se faire, des croyances aussi limitantes. Et on retrouve Apollon qui était là, qui se retrouve justement derrière lui. Et je pense honnêtement que cette carte vient plutôt en mise en garde. Parce qu'ici, on parle en fait d'une peur paralysante. Peut-être que par rapport au choix, entre guillemets, qu'on vous a donné ici, certains vont avoir peur de mal faire. Ou vont partir, entre guillemets, sur certaines idées ou vont imaginer peut-être le pire des conséquences, alors qu'ici, on leur avait donné, alors je ne vais pas dire la vérité, mais des choses claires et concrètes. Et ici, si certains restent centrés sur leur mental plutôt que sur leur cœur, ils risquent de se faire prendre, entre guillemets, au piège. Après, rassurez-vous, il n'y a pas de jugement. Je sais bien qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire, surtout quand on a envie de bien faire, parce que je sais que vous êtes plutôt dans cette nature. Et là, maintenant que vous êtes quelque part pleinement conscient de la situation et surtout des conséquences qu'entraîneraient vos choix, bah vous pouvez avoir envie quelque part de repousser un petit peu le moment de décision parce que vous savez ce qui vous attend. Donc, rassurez-vous, cette carte, elle n'est pas forcément dramatique. Hein. C'est juste qu'ici, vous allez peut-être avoir un moment où vous vous sentirez un petit peu prostré dans l'hésitation. Mais on vient vous dire aussi qu'il est trop tard pour avoir des regrets ou pour reculer. Donc, ça suit bien quelque part ce que je vous disais ici, parce que là, on vous demande justement de prendre la responsabilité de vos choix. Après, comme on disait aussi à certains qu'ici, en fonction de ce qu'ils choisiraient, il faudrait peut-être reculer ou ravaler leur fierté. Bon, même si on vient dire à certains que ça y est, quelque part, quelque chose est acté et que vous ne pouvez plus faire marche arrière, je pars du principe que vous êtes toujours libre. Après, je ne sais pas par rapport à quoi, entre guillemets, vous vous serez engagé. Si c'est par rapport à un travail, par rapport à une relation. Ça, vous verrez bien chacun selon vos cas et vous me redirez. Maintenant,
on vient dire aussi à certains qu'ils se sont eux-mêmes créés cette impasse, en fait. Hein, c'est le sentiment d'enfermement dans lequel ils pourraient être, un dilemme aussi, tout simplement, et ça en raison de leur expérience passée, d'une discussion aussi peut-être qu'ils auraient pu avoir, enfin, d'avis, on va dire, d'autres personnes extérieures, ou parce qu'ils ont décidé de fuir ou de fermer volontairement les yeux par rapport à certaines choses. Si c'est dans le cadre d'une relation, il y en a des fois comme ça qui reculent, on va dire, le moment de dire certaines choses parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de blesser les gens. Ça peut être valable aussi dans le travail. Peut-être que certains ont voulu se lancer dans quelque chose et ici, on vient les rappeler gentiment à l'ordre en leur disant « Bon, écoute, va falloir faire quelque chose parce que sinon, il y a ça qui t'attend derrière et ce serait un petit peu dommage. » C'est-à-dire que on vous demande ici de ne pas faire de choix pour faire plaisir à qui que ce soit ou en vous basant que sur votre passé, d'un air de dire « Ben, j'avais essayé ça, ça n'a jamais marché, donc maintenant, voilà, je tente ça, mais plus par rapport à mes croyances que par rapport à mon cœur. » En fait, voilà, je pense qu'ici, on vous conseille tout simplement, par rapport à ce qui va se proposer à vous, d'écouter votre cœur et que si vous écoutez quelque part votre ego, voilà ce qui va se passer. Vous allez avoir l'impression de vous être piégé tout seul. Donc, pour certains, si vous vous rendez compte à ce moment-là, quel que soit le domaine, que ça ne vous convient pas, on vient vous dire que ce ne sera pas forcément en serrant les dents ou en faisant l'autruche que les choses vont passer. Et puis pour d'autres, on vient me dire aussi, bon, les épées, ça représente des fois aussi un petit peu le côté administratif, judiciaire. On vient vous rappeler ici qu'il y a des limites, qu'il ne faut pas tricher quelque part avec la loi, sinon on en subit les conséquences, hein, tout simplement. Donc soyez dans l'honnêteté, moi je trouve que c'est ce qui ressort déjà de ces deux cartes. Fidèle à votre cœur, à vos valeurs, et faites bien attention aux films, aux idées que vous pourriez vous faire par rapport à telle ou telle chose, de vous recentrer, peut-être de revenir, vous voyez là, il est assis, mais peut-être davantage plus à la méditation, justement, à quelque chose qui pourrait vous ancrer davantage, hein, plutôt que d'être trop en l'air, justement. De remettre un équilibre, histoire de ne pas vous user, de ne pas perdre de l'énergie ici inutilement, parce que le but, c'est davantage ressembler au soleil qu'aux chimères. On va voir maintenant quelle carte vous avez pour la première quinzaine de juin. Et là, vous avez le valet de bâtons. C'est déjà un peu plus lumineux. Les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Dans des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, on pourrait vous y retrouver davantage. À voir si ici, c'est un personnage entre guillemets différent et extérieur à vous. Donc, il serait plutôt jeune et dans le masculin sacré. Et si ici, c'est vous. Ou si c'est toujours le même personnage, ce que je vous souhaite, parce que a plutôt l'air de venir ici, on va dire, en conseil. Parce que là, lui, vous voyez, il est en train de passer au-dessus des choses. Il est en train de s'enfuir. En fait, on a Xyros ici, le fils de Zeus, que la nouvelle femme de Zeus a essayé de tuer, de faire tuer aussi. Elle a même monté des gens contre lui. Et Zeus, voyant tout cela arriver, vu que c'était pas juste, il lui a envoyé un bouc pour pouvoir justement s'extirper tout ça. Donc on peut penser aussi à une personne extérieure qui viendrait ici aider ce personnage à sortir justement, entre guillemets, de son enfermement ou de son dilemme tout simplement. D'autant que là, avec le valet de bâton, il va y avoir plein de nouvelles idées qui vont venir, qui vont émerger et qui sont d'ailleurs aussi assez prometteuses. Maintenant, elles ont besoin aussi également de travail. Pareil, ici, il y a la notion de mouvement. Même si les valets sont généralement assez lents, moi, je trouve que celui-ci est particulièrement, on va dire, rapide. Donc, ça peut vouloir dire aussi quelque part que ici, ça ne durera peut-être pas forcément très longtemps. Maintenant, concernant les idées, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce qui est arrivé à Xyros, n'en parlez peut-être pas à tout le monde. Gardez ça pour vous parce que justement, il y a encore besoin de maturation. C'est un petit peu comme si là, vous aviez juste une ébauche, une vision, si vous voulez, quelque part, de ce qu'il faudrait faire, mais que ce n'est pas encore complètement abouti. Non pas que vous n'avez pas forcément tous les éléments, mais il faut aussi que ce soit réaliste, si vous préférez, comme solution.
ou comme idée. Et là, ici, on a l'impression que c'est un petit peu comme l'éclair de génie, hein, le Eureka. Et les bâtons, généralement, comme c'est des signes de feu, c'est assez dynamique. Maintenant, à pas non plus sauter pieds joints là-dedans et y aller un peu trop vite, si vous voulez. Hein, prenez le temps de la réflexion, de dresser votre plan, si vous voulez, d'action. De voir vraiment de quoi vous auriez besoin, quelles sont vos ressources, comment vous y prendre, sur qui vous appuyer. Après, bon, je sais bien qu'on vous a déjà amené et qu'on vous a déjà expliqué pas mal de choses sur la situation. C'est un petit peu comme un problème de maths. Si le problème est bien posé, normalement, hein, derrière, la solution vient toute seule. Maintenant, c'est pas parce qu'on a trouvé la solution qu'elle est forcément facile à mettre en place dans la seconde. Hein. Donc faites attention quand même à l'impulsivité, à des personnes également qui seraient malveillantes ou qui seraient pessimistes. Peut-être qu'il y en a certains que ça arrangerait, hein, peut-être quelque part que vous restiez comme ça. Mais là, on vient quand même vous conseiller de vous en sauver, quoi, quelque part, d'en partir. Du coup, ça peut donner ce sentiment, on va dire, de bouillonnement et de trépignement à ce moment-là, hein, de turbulence, de chahutement peut-être un petit peu aussi, voire de frustration, parce qu'on aimerait peut-être déjà que tout change. Donc, on se détend, on accepte ce moment. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de rester non plus dans la rêverie, mais davantage de passer à une nouvelle phase de votre existence, qui est plus, à mon avis, aussi en accord avec qui vous êtes vraiment. Bon, on va voir la suite, du coup. Alors, pour votre dernière quinzaine, vous avez Maison Dieu. Bon, ben là, vous êtes vraiment plusieurs à l'avoir eu pour ses guidances. C'est les Capricornes et les Scorpions aussi qui l'ont eu. Le Valet de Bâton aussi était ressorti. Le 8 aussi, je crois. Enfin bon, là, avec la Maison Dieu, on vient vous envoyer un message assez fort. Donc, vous voyez, quand on parlait déjà de bouillonnement ici, de nervosité, d'énervement, hein, après la peur, on va dire, quelque part, et la prostration, là, on a ce sentiment qui est encore ici renforcé. Et la tour, c'est la déconstruction, hein, quelque part. Vous voyez ici l'effondrement de la tour qu'on voit là. Mais c'est également la construction. C'est faire place nette, si vous voulez, grossièrement, pour mieux reconstruire. Alors, ça peut agiter, secouer un petit peu aussi émotionnellement. Hein. On voit que les os sont quand même agités. Il peut y avoir un sentiment de colère également. Donc ça, par rapport à la Maison Dieu, j'en parle aussi dans les énergies générales. Vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi c'est pas étonnant que cette carte ressorte pendant le printemps. Hein. En médecine chinoise, l'émotion qui est associée, c'est la colère, justement. Et donc cette carte, elle amène un effet, on va dire, assez brusque, assez soudain. Il peut y avoir des choses inattendues, des bouleversements, des choses aussi assez soudaines. Donc attention à ces instincts, on va dire, primaires ici, parce que forcément ça peut entraîner des conflits, dans certains cas aussi des séparations. Mais là, ce qu'on vient vous demander surtout, je pense, c'est de changer en profondeur, hein, de revoir vraiment toutes les structures, toutes les anciennes croyances limitantes que vous pouviez avoir pour les transmuter, faire place pour que de nouvelles puissent aussi arriver. Enfin, pas de nouvelles croyances limitantes, mais en tout cas, de nouvelles choses que vous puissiez réellement transformer votre vie. Alors après, ça peut être des cadeaux déguisés, ça peut être plus ou moins agréable. Mais si cette carte ressort, c'est qu'il y a une réelle nécessité. Hein. Et cette carte, elle indique une forme de point de non-retour. Vous voyez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, quoi qu'il arrive, on va vous demander de l'accepter au plus vite pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir faire comme le valet de bâton et passer au-dessus. Alors, je sais bien que c'est facile à dire, que sur le moment, ça ne va peut-être pas être forcément facile de voir ce qu'il y a de bien, on va dire, à en retirer. Hein. Peut-être que certains verront plus ce qui est en train, entre guillemets, d'être détruit ou de ce qu'ils ont l'impression de perdre, plutôt que ce qu'ils vont avoir à gagner. Ce que tout cela, en fait, va pouvoir permettre par la suite. Avec cette lame aussi, on peut parler donc des grandes structures. Donc, on peut aussi parler des grandes structures administratives, des grosses boîtes, des hôpitaux également. Hein. C'est une carte qui vient vous mettre en garde aussi contre les risques d'accident. Faites attention.
Maintenant, comme on vous parlait quand même de passer à une nouvelle phase de votre existence, ce qu'on vous amenait ici avec le valet de bâton, honnêtement, même si cette carte peut paraître, on va dire, désagréable, c'est vraiment pour aller vers du meilleur. Et je vais vous montrer les cartes qui étaient en dessous du paquet. Ça va vous aider, je pense, à comprendre un petit peu mieux pourquoi. Là, vous voyez, on a le 9 de bâton. Donc, toujours plan professionnel et matériel. Le 9, on arrive presque à la fin. Et en fait, vous voyez, il est quasiment arrivé près du rivage. Il est encore pas mal chahuté, mais il y est presque. On parle ici d'ultime épreuve, un petit peu comme la dernière étape, la dernière marche avant de voir le bout du tunnel. Donc, il y a une situation sur ce plan-là qui est vraiment en train de se terminer pour que vous puissiez justement être davantage dans la concrétisation, mais de ce que vous êtes en réalité pleinement. Hein, on a le soleil ici derrière. Le but, c'est que vous puissiez rayonner votre propre lumière et que vous soyez aussi en accord avec vous, que vous ayez confiance en vous et que vous puissiez mener vos projets à bien, réussir à concrétiser vraiment certaines choses pour que tout puisse se passer, on va dire, quelque part au mieux. Bon, le roi de bâton, on peut repenser ici au valet de bâton, ça peut être aussi une autre personne, hein, par rapport à un autre plan, qui peut-être aussi justement venir vous aider à passer au-dessus, enfin, à arriver, si vous préférez, à la fin de cette situation pour pouvoir être pleinement vous-même, hein, pour pouvoir être bien, heureux, en bonne santé, etc. Donc, je pense qu'ici, quelque part, c'est votre dernière marche, hein, avant que justement tout change. Puis quand je parlais de grands bâtiments, ça peut concerner également le domaine immobilier. Maintenant, sachez que quoi qu'il arrive, ça ne dure jamais, entre guillemets, éternellement. Hein, ça ne dure pas 10 ans. Et là, ça va peut-être être en fait l'énergie qui va vraiment vous permettre de changer, parce que lui, on lui disait que c'était peut-être pas encore, on va dire, tout à fait le moment, qu'il y avait des choses, entre guillemets, à voir et qu'il fallait qu'il reste bien accroché à ses idées, les préserver d'autres personnes pour qu'on ne le détourne pas quelque part aussi du chemin. Vous voyez, c'est vrai qu'il regarde un petit peu dans des directions opposées tous les deux. Sinon, honnêtement, vous avez, alors pas le même tirage que les Capricornes, mais bon, on va dire qu'il y a pas mal de choses qui reviennent. Et vu que la maison Dieu, on va dire, amplifie les choses, on va dire pas forcément dans le bon sens en soi pour les messages complémentaires, je vais prendre ici le parti de ne pas vous les donner. Hein. Parce que, même chose, ici, quand je vois qu'il y en a certains qui se battent contre des chimères et qui sont justement dans la peur, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Et mes guides apparemment me le confirment, donc le but, c'est de vous en sortir justement de tout ça et pas de vous rajouter des peurs inutiles de choses qui ne sont même pas encore là et qui n'arriveront peut-être jamais. La maison Dieu, ça peut être vraiment un cadeau déguisé pour certains, mais comme je vous donne ces énergies en avance, entre guillemets, vous allez pouvoir le voir venir. Vous allez pouvoir aussi en faire quelque chose. Hein, ça peut se transformer si vous préférez. Vous avez toujours votre pouvoir, celui d'utiliser les énergies pour vous servir et non l'inverse. Donc pour moi, il n'y a rien d'irrémédiable. Puis des fois, c'est pas plus mal aussi que ça pète un bon coup, hein, bon, même si faites attention quand même à votre communication à ce moment-là. Mais des fois, c'est aussi salvateur et libérateur. Hein, plutôt que de garder, de contenir, etc., il y a un moment, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc il faut que ça soit sorti. Maintenant, méfiez-vous de l'effet cocotte-minute, hein, tout simplement. C'est pas une fois que vous en pouvez plus qu'il faut dire les choses, mais au fur et à mesure, pour pas se monter la tête, justement. Donc, les énergies là que je viens de vous donner sont valables pour tous les domaines, hein, même si on a le plan matériel et professionnel qui ressort davantage. On va voir maintenant les autres messages que vous avez eus. On va commencer par les saints et les anges. Et vous avez eu signe de l'au-delà, ange gardien. Alors, c'est marrant parce que celle-là aussi, c'est les Capricornes qui l'ont eu. Et ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est de bien ouvrir les yeux, de bien faire attention à tous les messages, à toutes les synchronicités qu'on vous envoie. Ça peut passer aussi par le biais de musique, de films, de livres, de conversations que vous entendez, un thème qui reviendrait toujours et qui se répétait. N'oubliez pas, par exemple, la règle de 3. Hein,
Si ça fait une fois, deux fois, trois fois, voire même plus que vous entendez le même message, c'est pas pour rien. Quand je vous disais quelque part tout à l'heure que la maison Dieu, vous pouviez vous léviter. Le changement en profondeur, le changement de structuration, il est nécessaire. Maintenant, il n'est peut-être pas obligé de prendre une forme violente, brusque ou dure. Hein. Vous pouvez choisir vous-même plutôt que de le subir. Et je pense que c'est ce qu'on vous propose aussi déjà au départ. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il arrive des événements pénibles, généralement l'univers vous a prévenu avant. Et c'est ce qu'il essaye de vous dire ici, de bien faire attention. De même, vous pouvez aussi lui poser des questions, lui demander son aide et faire attention après, derrière, aux messages, aux réponses en fait, qu'on vous envoie sous différentes formes. Là, c'est le message de votre ange gardien. Alors, l'au-delà, on peut également penser aux défunts. Peut-être que certains ont des personnes disparues qui font partie de leur guide et qui servent un petit peu d'ange gardien aussi, hein, quelque part, de bonne étoile. Donc, souvenez-vous qu'il n'y a pas de hasard et que même s'il y a des signes qui vous paraissent, entre guillemets, étranges, c'est bien réel, entre guillemets, hein. Après, les vraies synchronicités, c'est pas celles qu'on passe son temps à chercher, mais celles qui reviennent quelque part aussi un peu malgré nous. Hein. Faites attention aussi à ne pas vouloir voir ce que vous avez juste envie de voir. Faites la part des choses. Mais ce que je vois ici avec cette carte, c'est qu'on essaie de vous envoyer du soutien et on vient vous dire surtout que vous n'êtes pas seul. Hein. Donc n'hésitez pas également à demander de l'aide à vos guides, à la source, à vos anges, selon vos croyances, pour vous aider au mieux, quoi qu'il se passe. Ah ben, si tu oublies de remettre le micro, entre-temps, vous m'excuserez. Alors, je vais vous montrer quand même la carte que vous avez en dessous du paquet. Vous avez « Vous êtes un leader », Jeanne d'Arc. Et si je vous la montre, c'est parce que je trouve déjà que c'est marrant, vous voyez, qu'il y ait cette main qui soit vraiment tendue vers la lumière. Un peu comme si il demandait de l'aide, ou il s'ouvrait en tout cas à recevoir justement les messages. Et avec le valet de bâton, on venait dire aussi que, on va dire que le but de ce moment, c'était aussi de réaliser quelle capacité, quel talent vous avez réellement. Et justement, avec cette carte, on vous dit que vos talents sont amenés à servir une cause importante, que vous avez des capacités justement de leader, c'est peut-être celle-là que vous avez à réaliser, à comprendre davantage, peut-être que certains le savent aussi déjà, mais que vous avez des capacités naturelles qui peuvent également inspirer les autres à aider à leur tour. Et on vous dit également par la prière, alors les intentions, les demandes que vous faites, l'univers pourra vous donner des instructions claires pour vous y aider donc. Vous voyez ce que je vous disais avant, n'hésitez pas à leur demander. Et on vient vous recommander également de savoir donner l'exemple, hein, en donnant le meilleur de vous-même pour être un modèle à suivre, en vous appuyant sur vos qualités d'intégrité et de force de caractère. Vous pouvez notamment donc faire appel à Jeanne d'Arc, qui est la sainte patronne de ceux qui sont persécutés pour leurs croyances religieuses, ou pour des femmes par exemple aussi, qui s'enrôlent dans tout ce qui est service militaire. Donc voilà, ça pourra peut-être parler à certains plus particulièrement. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec l'oracle des anges de l'amour. Et là, vous avez eu facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, que ce soit religieux ou que ce soit par rapport à la voie spirituelle, pour certains par exemple qui sont en recherche, on vous conseille d'aller donc soit dans des lieux de culte, à participer à des événements qui sont sur ce thème, des gens aussi peut-être à fréquenter qui seraient dans ce milieu, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où ce sera plus facile de trouver des gens qui sont en accord avec vous dans ces endroits que d'espérer les rencontrer, entre guillemets, dans d'autres milieux où c'est pas forcément le cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement une explication pourquoi ça prend, on va dire, peut-être aussi un peu plus de temps. C'est peut-être parce que certains ont changé, se sont justement ouverts à la spiritualité. Et ça a pu également entraîner le désir pour certains d'avoir quelqu'un qui soit dans cette religion ou
dans cette spiritualité-là. Maintenant, comme j'ai dit à d'autres personnes, moi personnellement, je suis avec quelqu'un qui est ouvert, ça ne le gêne pas. Mais voilà, il n'est pas forcément à fond dedans. C'est vrai qu'au début, quand on s'ouvre, on préférait, entre guillemets, quelqu'un qui soit dans cette voie-là. Maintenant, ça peut permettre aussi d'apporter une certaine forme d'équilibre, dans le sens où moi, je sais qu'il manque davantage, par exemple. Après, pour certains, par rapport aux facteurs religieux, je pense aussi notamment à ce que peuvent vouloir peut-être aussi leur famille. Hein, peut-être qu'il y en a certains qui ont des familles qui aimeraient bien que la personne avec qui vous serez soit forcément de cette religion-là ou pas, voilà, qui limite un petit peu. Après, je pense que le plus important, c'est que vous soyez heureux et que vous soyez avec quelqu'un qui vous correspond. Maintenant, ça peut peut-être vouloir dire aussi justement que certains se sont peut-être avec des personnes qui ne tiennent pas du tout compte de ces facteurs-là, ou que vous avez, on va dire, des croyances qui sont vraiment trop différentes. Autre exemple, bon, c'est pas pour le plaisir de parler de moi, mais à un moment, j'avais rencontré quelqu'un qui, lui, était carrément contre, c'est-à-dire que ça lui faisait peur. À ce moment-là, je veux dire, quels que soient les sentiments avec une personne, on ne peut décemment pas rester avec. Là, par contre, ça nous tire vers le bas. Et ça va générer des énergies, justement, de conflit, d'opposition. Bon, et puis après, sachez aussi que certains sont dans la bienveillance, l'amour inconditionnel, etc. Si vous voulez, certains ont déjà ces principes et les ont intégrés sans pour autant se définir par rapport à un milieu ou une chose en particulier. Donc quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de vous respecter vous-même et d'y être fidèle et de voir ce que vous pouvez accepter, mais aussi ce qui doit être refusé pour vous permettre d'être en adéquation avec vous-même. On revient ici à appuyer sur la notion de prière hein, qu'on vous amenait déjà en faisant des affirmations, mais également des visualisations afin d'amener un aspect plus positif et bénéfique sur vous et sur votre relation, qu'elle soit déjà ou à venir. Et puis on vous rappelle également que nous sommes tous des enfants de l'univers, donc quelque part, tout le monde est spirituel. Et c'est fou quand même comme tous ces personnages, vous voyez, sont en train tous de tourner la tête dans le même sens, vers l'avenir, vers la lumière. Donc voilà, j'espère que ça apportera à certains des éléments par rapport à leur vie sentimentale. Maintenant, sachez que cette carte peut être aussi attribuée, entre guillemets, aux autres domaines. Hein. Là, on parle de spiritualité et de religion, mais ça peut être aussi par rapport à certaines valeurs, par rapport à certaines croyances. On va voir de toute façon maintenant quel message vous avez eu avec l'oracle de Mario Dugoué. Et là, vous avez eu éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Alors, je rappelle que Dieu, hein, il n'y a rien de religieux ici, c'est selon vos croyances, vous pouvez appeler ça la source, l'univers, comme vous le souhaitez. Et on peut penser aussi tout simplement que certains vont davantage peut-être aussi s'ouvrir à la spiritualité, ce qui va forcément modifier les choses. Mais ce que je trouve super chouette, c'est que regardez, on dirait vraiment un papillon, elle est vraiment en train de se transformer. Elle a les bras ouverts également vers le ciel, vers cette belle lumière. Là, je pense qu'on voit ici davantage son joyau intérieur, un petit peu comme son âme, vraiment connecté à son cœur. Et on a cette notion de transmutation avec le lotus. Donc vraiment, de bien rester connecté et d'être dans votre lumière. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le soleil, avec les cartes en fond de paquet, on vous invite vraiment à rayonner, à être un bijou, à être un diamant. Et je vais vous montrer aussi la carte qui était en fin de paquet. Vous avez célébré la vie. Vous voyez comme elle danse, elle aussi, elle a les mains en l'air. Et d'ailleurs, on pourrait retrouver ici, vous voyez, ce qu'on a là. Et là, elle joue avec, elle le maîtrise. On a encore les papillons de la transformation. Et elle est vraiment dans ce mouvement, vous voyez, d'élévation. Et c'est marqué « Je surmonte toute noirceur en mon être.
et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Et c'est vrai que quelque part, regardez, on part du 5, du 8, Valet, hop, la maison Dieu, c'est le 16. Il y a une forme quand même d'élévation malgré tout. Même si certains n'auront pas l'impression que ça se traduit, on va dire, concrètement comme ça, ça sera pourtant le cas. En tout cas, c'est ce vers quoi on vous demande de tendre. Et je pense qu'on vient aussi rappeler à certains que, oui, peut-être que certaines choses vont se passer, qu'elles ne sont peut-être pas agréables, etc. Maintenant, à côté, il n'y a pas que ça. Il y a quand même déjà d'autres choses qui sont là, qui vous sont données, qui vous sont offertes chaque jour. Donc, soyez davantage dans la gratitude, entre guillemets, pour ce que vous avez déjà. Sachez que vous êtes bien entouré. Hein, là, je pense qu'on vous le redit aussi ici, de cette manière-là, et bien guidé. Donc, raccrochez-vous davantage à cette lumière si besoin. Et comprenez aussi toutes les qualités que vous avez. Hein, quand on vous dit « je suis rempli de richesse et de bonté », vous l'avez ça au fond de vous. Vous avez beaucoup plus de choses, peut-être même pour certains, que ce que vous ne pouvez penser. Donc, sachez les voir et vous appuyez davantage aussi dessus. On peut même se dire quelque part que, ici, la version entre guillemets positive de ce que vous ferez entre guillemets tout ça, justement, d'arriver à célébrer la vie, vous célébrez vous aussi, pour tout ce qui s'en vient en fait à venir, si vous orientez vos choix vers votre cœur, votre âme, vers la lumière. Je vais vous donner maintenant la carte issue de l'oracle des chakras pour l'affirmation pour le mois de mai. Et là, vous avez eu chakra secondaire du coude. La tolérance vécue m'aide à entretenir des relations harmonieuses avec autrui. Alors, vous voyez, il y a le jaune du plexus et l'orange également du chakra sacré. Et là, avec cette carte, on vient vous dire que les autres ne vous ressemblent pas. Tout comme vous, vous n'êtes pas comme eux. Donc, sachez accepter aussi quelque part les différences pour que vos relations se trouvent considérablement enrichies. Hein? Donc ça peut revenir aussi quelque part sur cette histoire de facteurs religieux. On vient vous redire aussi à nouveau que vous avez un talent particulier, qu'il n'y a que vous quelque part qui avez, et que vous connaissez vos points forts comme vos accès améliorés. Et personne n'est parfait, tout le monde a des plus et des moins. Soyez davantage dans l'ouverture et réjouissez-vous de la diversité. De même, on vient dire à certains de ne pas se contenter d'une seule activité. Peut-être que pour avoir aussi un équilibre complet, c'est pas en vous fermant seulement, on va dire, à une chose que ça va vous permettre de vous épanouir complètement. Il y a d'autres choses aussi qui ont besoin d'être nourries. Et maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu troisième chakra, donc le plexus. Mon cheminement professionnel se déroule conformément aux modalités de mon plan de vie. Donc là, on vient dire à certains que le choix de votre métier doit répondre à un appel spirituel. Je pense qu'on vient rebondir aussi sur cet aspect de leader. Hein, quand on vous disait d'être vous-même un modèle, c'est une manière également d'enseigner des valeurs spirituelles, par exemple. Et que c'est en répondant à cet appel que vous pourrez concrétiser le plan de vie que vous avez choisi. Pour certains, ça leur permettra de réussir leur activité professionnelle, voire même de l'avoir couronnée de succès, parce qu'à ce moment-là, elle conviendra vraiment à votre âme et prendra justement en cause les qualités et les points améliorés dont on vous parlait ici. Et là, vous pourrez vraiment pleinement vous épanouir. En fait, ça rebondit sur ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, ça suit bien. Alors après, d'un point de vue professionnel, quand on vous dit de répondre à un appel spirituel, c'est pas forcément pour vous demander tous d'être guérisseur, médium, etc. Ça peut être le cas, forcément. Mais comme on vous le disait déjà ici avec l'histoire des facteurs religieux, par exemple, œuvrer pour de l'humanitaire ou avoir un travail qui aide les gens, même si ce n'est pas, entre guillemets, dans le milieu spirituel même, ça n'empêche que vous pratiquez quand même ces valeurs. Hein, y a peut-être des travails aussi comme ça qui peuvent
aller dans ce sens-là, les gens aussi qui sont dans l'éducation, par exemple. Donc, soyez vraiment dans l'ouverture pour pas vous limiter. Alors, on va passer au point litho quand même. Alors, pour le mois de mai, vous avez eu ici du jaspe mokaïte. Je crois que ça se dit comme ça. Et cette pierre, elle a plusieurs bienfaits, notamment par rapport au système circulatoire, puisqu'elle fluidifie le sang, favorise la création de globules rouges, mais également de globules blancs, donc ça renforce forcément le système immunitaire. Elle agit aussi d'un point de vue digestif. Elle peut même être recommandée par rapport à la perte de poids. Et puis c'est une pierre surtout qui protège, hein, sur le plan mental et psychologique. Elle a un effet un petit peu bouclier, donc je pense que ça pourra particulièrement aider là. Elle purifie également l'aura et protège des influences négatives. Elle apporte également de l'apaisement, de la sérénité, afin de pouvoir affronter les imprévus. Elle est reliée au chakra racine et au plexus solaire, et elle peut équilibrer le yin et le yang. Et puis, pour le mois de juin, là, vous avez eu une cornaline. J'aime beaucoup d'ailleurs celle-ci. Et avec cette pierre, qui elle est reliée au chakra sacré, vous allez donc pouvoir avoir davantage, on va dire, de stimulation sur le plan, par exemple, sexuel ou en tout cas aider par rapport aux histoires de fertilité, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Les hommes, ça les aidera un peu plus, on va dire, par rapport à l'érection. Les femmes, si vous voulez vraiment concevoir, vous pouvez l'associer avec une pierre de lune sur votre chakra sacré pour augmenter la fertilité et vous donner davantage de chance. Après, c'est une pierre qui aide aussi à prendre foi en soi-même, à aimer la vie, à la prendre telle qu'elle est, ce qu'on vous propose aussi un petit peu avec Célébrer la vie, en vous détachant de toute illusion de contrôle. Et puis, elle pourra également aider les personnes qui sont particulièrement émotives. Donc, vu que là, on va être chahuté pas mal émotionnellement, ça sera pas mal. Et sachez qu'elle favorise également la créativité, une attitude aussi plus responsable, pourra même apporter davantage de courage et favorisera la concentration. Donc après, comme d'habitude, hein, libre à vous. Voyez bien si on a une qui vous appelle, les deux ou d'autres. Vous pouvez également faire appel aux esprits des pierres, tout comme aux esprits des plantes et des fleurs. Raison pour laquelle j'ai choisi aussi pour les fleurs de Bac de garder les cartes. Comme ça, vous voyez les fleurs. Vous pouvez mettre pause et vous connecter à leur essence, à leur esprit. Et d'ailleurs, pour le mois de mai, vous avez eu pommier sauvage, crap apple, purification. Ça, c'est une idée aussi qui revenait déjà l'avant. Et sachez aussi, hein, pour ceux qui font des soins, qui sont thérapeutes tout simplement, c'est une fleur qui peut justement faire effet bouclier, hein, et vous protéger, ou qui peut nettoyer également après un rendez-vous. Alors, cette fleur, elle peut être utilisée dans certains cas par rapport à la blessure d'humiliation. Donc, peut-être aussi que pour certains, c'est une blessure, entre guillemets, qui est à revoir, pour peut-être aussi mieux comprendre justement pourquoi vous avez l'habitude de réagir de telle ou telle façon. Quand on passe par exemple son temps à dire qu'on est désolé pour des choses dont on n'est pas forcément responsable. Et sachez aussi au passage que quand on essaie d'avoir confiance en soi, c'est une des blessures qu'il faut travailler. Parce qu'à chaque fois que vous vous excusez pour des choses dont vous n'êtes pas responsable, vous faites baisser votre confiance en vous. Or, on vous dit de tendre vers la confiance, justement avec le soleil ici. Hein, puis les autres cartes également qu'on vous a données, comme l'éveil. Bon, maintenant, pour en revenir à cette fleur, sachez qu'elle pourra vous permettre de relativiser davantage les choses et d'avoir une sorte de prise en compte globale, d'être davantage dans l'acceptation de soi et dans la pureté intérieure. Elle protège, elle nettoie, elle purifie, comme je vous l'ai dit. Elle pourra également vous permettre, du coup, de lutter contre le sentiment de honte ou de culpabilité. Maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu Folle Avoine, Wild Oat, affirmation de soi et orientation. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Celle-ci, elle vous aidera davantage à déterminer votre vrai but, à être plus centré et avoir davantage de discernement, ce qu'on vous amenait déjà aussi avec la cornaline, à révéler vos talents et vos ambitions dans la vie, pour certains même à trouver leur voie.
et elle permettra également de lutter contre les sentiments d'insatisfaction, de frustration, de dispersion, d'abattement. Bon, ben là, je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber, hein. Eh bien, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces messages vous aideront au mieux. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos j'aime, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt, les béliers. Namasté.